Bonjour, je suis Genius, la décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro-dollar. Voilà la stratégie. Soir, comment vas-tu? Regarde, c'est la fin du monde. Ah, on va tous mourir! Non, je rigole, bien sûr. Bienvenue en tout cas dans l'émission Le Luclette Money Show. T'as vu, je l'ai dit, j'ai pas hésité une seule seconde. Ça, c'est pour les détracteurs et les haters qui, la semaine dernière, m'ont dit, en plus, ils n'arrivent pas à donner le nom de son émission. Comment? Écoute, je me suis entraîné toute la semaine. J'ai pensé qu'à toi, de lundi à mardi, de mardi d'ailleurs à mardi. Et donc maintenant, je le dis raisonnablement, en tout cas l'émission de ce soir, c'est simplement basé sur l'évolution des marchés. J'aurais pu appeler cette émission « On va tous mourir », ça aurait pu faire le buzz, mais je préfère en tout cas qu'on en parle ensemble, c'est clair, pour tenter de vous expliquer ce qui change et comment vous devez vous adapter en bourse. C'est intéressant parce que j'ai vu toute la semaine un ensemble de conneries monstrueuses, donc on va rigoler, on va se détendre, les gens qui sont là pour être sérieux, vous avez le droit. Mais nous, on va rigoler, on va se détendre, surtout après une après-midi comme celle-ci, où on savait que les marchés américains allaient être explosifs. C'est pas explosif, c'est de la dynamite, de la TNT, du C4. Tout a pété. Et là, tu vas voir arriver, fleurir sur les réseaux sociaux. C'est la fin du monde! Mais non, c'est le début. Ah bah ouais, c'est le début. Si tu ne sais pas, on va en parler, tu verras. Et c'est quoi, toi, ton opinion, en tout cas, sur ce qui arrive? Tu vas pouvoir nous le dire, c'est clair. En tout cas, on va commencer cette émission, tu vas voir, sous le signe de la détente et de la bonne humeur, j'ai encore une fois 5 pages avec toi. Donc ça va durer à peu près 45 minutes. Reste avec nous. C'est parti pour le Let Luc Money Show. À tout de suite. Yalla. Ok, micro, ok, écran, ok, c'est parti, t'es là, je suis là, on est là, on va pouvoir discuter business, pognon, fric, flouze, pèse, et on va surtout se marrer, c'est l'objectif d'une émission comme celle-ci, qui d'ailleurs se retrouve tous les mardis soirs depuis maintenant 3 semaines, ah bah oui, ça fait déjà la 3e du Let Luc Money Show. Alors, traditionnellement, si toi, en tout cas, viewer, tu viens d'arriver, traditionnellement, on regarde les scores des abonnés à la Genius Station. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas sur YouTube, tu tapes Genius Station. Et Genius Station, c'est la nouvelle économie, c'est la plateforme de décision boursière V2000. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'une plateforme de décision boursière, on va t'expliquer absolument tout ça. Alors, la nouvelle page de statistiques, tiens, de la Genius Station, intéressant. On va aller la chercher. Est-ce qu'on peut voir mon écran, s'il te plaît, Mariana? Dans ce cas-là, ça va être facile. On va chercher effectivement la page de statistiques dans la Genius Station. On va pouvoir cliquer sur l'onglet « Statistiques », c'est assez facile. Et là, doit apparaître normalement, nos amis en tout cas développeurs, on fait le nécessaire pour voir apparaître la page de statistiques. Je te jure, si on avait voulu marabouter le truc, je crois qu'on ne s'y serait pas pris autrement. Tout va bien, je démarre l'émission, la page de statistiques qui prend son temps pour venir, bah, écoute, elle prendra son temps. On la repassera d'ici quelques instants, en tout cas, il n'y a pas de souci. Alors ce soir, on va tenter de répondre à des questions faciles. On peut peut-être revenir sur moi, Mariana qui est sur le coup. En tout cas, on va revenir à des questions faciles et simples. D'abord, dans un premier temps, alors Luc, on va tous mourir ou pas? Bah là, moi, j'ai la réponse, bien évidemment. C'est pas nouveau, c'est la vie. Tu vis, tu meurs. Tu meurs, tu vis. Évidemment que tu vas mourir. Mais mon capital, Luc, il va mourir aussi, il va s'effondrer? Pas forcément, et surtout, si tu t'y prends correctement. On la voit, cette page statistique ensemble. C'est parti, Mariana. Alors, je vous explique quand même qu'on débute les statistiques, c'est-à-dire qu'on a pris en compte simplement déjà le début
du mois d'août. On les tient depuis le début du mois d'août. Et l'intérêt d'une page comme celle-ci, c'est véritablement... Désolé, Luc, oublié de rentrer mes scores aujourd'hui, 827$, c'est Elvis. Elvis, il ramasse ça tous les jours. Hein. Si vous ne le connaissez pas, Elvis, il ramasse ça tous les jours avec la Genius Station. Ce que je veux dire, c'est que les statistiques, elles datent depuis un mois, en gros. On en avait avant, mais on a voulu, en fait, changer les statistiques. Ces statistiques, en fait, elles ont plusieurs définitions. La première, c'est de vérifier que tout le monde va bien, c'est-à-dire que chacun prend des points, ça, c'est évident. De comparer les points que prend chacun en moyenne avec les points que réalise la Genius. De voir s'il y a des gens véritablement qui gagnent ou qui perdent. Et dans le principe, de voir si on peut faire quelque chose pour eux et si c'est récurrent ou pas. Donc, on va prendre sur la semaine pour que ça soit révélateur. Alors, c'est vrai que le résultat des abonnés, c'est 91,67% qui explose les scores puisqu'ils déclarent réaliser des gains. Ça peut être des petits gains, des gros gains, des moyens gains. Chacun prend les gains qu'il veut sans aucun problème. Au mois d'août, on est parti avec des gains moyens sur le mois de 254 points. Ça veut dire que chacun des utilisateurs réalisait en gros ce qu'il déclarait, 254 points. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 300 points. Ça veut dire que jusqu'à la fin du mois, on doit tenir au minimum ces 290 points par utilisateur abonné par mois. On en est à 292 points. 91,67% des abonnés qui déclarent réaliser des gains. 75% réalisent plus de 30 points par jour. 8,33 déclarent réaliser plus de 10 points par jour. Pareil pour ceux qui déclarent plus de 20 points. Personne, effectivement, moins de 10 points. Personne, effectivement, qui déclare perte sur la période. 8,33% déclarent avoir été absent. Je fais un clin d'œil à plein de gens qui sont dans la Genius avec nous chaque jour et qui réalisent des 100%. Ça me fait beaucoup rire quand on me pose la question de savoir si on peut amortir un abonnement de la Genius quand on sait que des gens font 100% en l'espace d'une semaine, comme Morgane, par exemple, ou comme d'autres gens, David et les autres, bien sûr, qui explosent simplement. Vous pouvez recevoir cette page de statistiques toutes les semaines, le vendredi, pour vous tenir informé de l'évolution des résultats des gens qui ont la Genius Station. La Genius Station, c'est la décision boursière de la nouvelle économie. Résultat des opérations de la Genius, Forex, Stocks, Futurs, Indices, Crypto-Monnaies, Commodities, Currencies. On est très performant sur les futurs, les Commodities, le Forex et les Currencies. Pourquoi pas aussi un petit peu de Crypto-Monnaies avec, en tout cas, Léo. On me dira en haut si on peut voir Léo, tiens, ce soir. Léo, si on peut voir Léo, merci de me le dire là-haut. Il y a le détail des opérations, les gagnantes, les invalidées, les perdantes. Les stops tapés, les targets tapés, tout ça, c'est là. Et puis, bien sûr, le track record. Comme ça, c'est réglé. Alors, le fait qu'on ne nous croit pas, ce n'est pas gênant. Le fait qu'on ne nous croit pas, ce n'est pas gênant parce qu'en fait, on est en live, en permanence. Ça veut dire que Vincent, qui est abonné de Genius, bien évidemment. David qui me demande, Luc, tu bosses à l'ancienne ou tu utilises cette Genius. David, c'est une super question parce qu'en définitive, vous allez vous apercevoir qu'on ne peut plus bosser à l'ancienne. Ah ben, c'est plus possible. C'est absolument plus possible. On peut voir Léo avec moi ou pas dans cette émission? Là-haut, il parle créole. Voilà, pas pour le moment, ça viendra après. Ils vont assurer comme des bêtes, ils ont une après-midi pour pouvoir préparer les caméras. On attend Léo, en tout cas, dans la télé, dans quelques instants. Léo qui est à côté de moi, d'ailleurs. Tiens, Léo qui est juste là, à côté de moi. Ça va, Léo? Ça va et voulu. Tiens, viens faire un petit coucou. Tiens, viens, la caméra. Tiens, regarde, allez, regarde. Regarde comment on s'adapte, regarde. On va te voir ici. Voilà, Léo, nouveau venu. Bonsoir tout le monde. Spécialiste de la crypto-monnaie, on en a hein, des spécialistes qui nous rejoignent. Merci Léo. Ça va l'expérience Genius? C'est un truc de malade. T'aimes travailler pour la Genius? J'en ai rêvé. Cela se réalise ce soir, aujourd'hui, la semaine. On ramasse toute la semaine. Bon, arrête de me cirer les grolles. Allez, va t'asseoir. Ouais, là, il est en train de me faire un peu de lèche. Il cherche une augmentation. Il vient d'arriver. Il faut quand même pas déconner. Merci, Léo. Merci, Léo. En tout cas, tiens, j'ai une première question pour toi. Bah oui, j'ai une première question. D'abord, sache que dans cette émission, vous avez intérêt à être nombreux parce qu'on va faire gagner un abonnement d'une semaine à la Genius Station. Ah bah, vous savez que j'aime vous donner. Hein, je suis quelque part altruiste. Un vrai, hein, pas un mytho. Un vrai. J'ai envie de vous donner, en tout cas, une semaine d'abonnement à la Genius Station. Je vous poserai une question durant cette émission. On fera, tiens, après la première publicité dans une dizaine de minutes, on fera une question et puis vous pourrez gagner en tout cas une semaine d'abonnement à la Genius. Faites-vous plaisir juste dans une quinzaine de minutes.
Alors, j'ai une première question. Tiens, si tu devais changer de voiture, est-ce que tu prendrais une voiture sans ABS, sans airbag, sans régulateur de vitesse, sans lève-vitre électrique, sans détection de franchissement, sans détection anti-collision, sans les assistants à la conduite, le créneau automatique, ainsi de suite. Tiens, regarde, pose-toi la question. Est-ce que si tu devais changer de voiture, tu resterais comme ça? Ben non, bien évidemment non, tu l'as compris. Il n'est pas question de garder l'ancien temps. Alors, pourquoi tu continues à vouloir faire de la bourse avec des méthodes des années 50, avec des brokers des années 50 et surtout des spots des années 50, les produits, les fameux produits des années 50? Tu vas te rendre compte du truc ou pas? Reste, on va parler des trucs qui marchent bien sûr maintenant, c'est évident. On va d'abord parler des prédicateurs de la bourse et de la crise financière. Vous avez bien vu que depuis le mois de mars, depuis qu'il y a eu la crise, il n'y a jamais eu autant de gens qui l'avaient dit avant qu'elle se déroule. Ça, tu le sais. Moi, là où je me marre, c'est quand je regarde, en tout cas, sur les prédicateurs, tous ceux qui t'ont dit au moment où ça se cassait la gueule d'attendre, quand on était au plus bas, de vendre, et effectivement, quand on est remonté, surtout de ne pas acheter. Surtout, il ne faut pas acheter parce qu'on est dans la merde la plus totale. Alors, les prédicateurs de la crise financière, en tout cas, prévoient le pire pour 2020. Avril 2020, on est dans la merde. Sauf qu'on est déjà au mois de septembre et on n'a pas été dans la merde. Puisque ça va mieux, ça empire en mai 2020. Sauf qu'après, c'est une catastrophe annoncée pour fin 2020. Et puis, ça sera, à mon avis, quelque chose de terrible dans le début de l'année 2021. Il faut arrêter les conneries. On sait très bien que tout ça... ils ne savent rien, mais ils disent tout. Alors, bien sûr, certains, quand on va regarder, tiens, on peut peut-être nous mettre louper Mariana pour le côté improvisation. Si on met les images, tiens, de ce que je vois sur le web, regardez bien, regardez bien. Regardez tout ce qu'on a vu sur Internet. Est-ce que là-haut, on peut voir les petites étiquettes que j'ai trouvées un petit peu regarde, signal d'un crack majeur. Moins 8% sur Apple. Moins 10% sur Tesla. Tiens, regarde. Alors, je vais te poser une question simple. Tu vas répondre dans le chat aussi bien de YouTube. Pourquoi j'en ai rien à foutre de ça? Pourquoi je me fous que les mecs, ils ont perdu 8-10%? Pourquoi? Est-ce qu'on peut revenir à l'ancienne photo, s'il vous plaît? Et faire comme j'ai demandé, c'est-à-dire en mettre partout. Ça me plairait bien. 8% de baisse sur Apple et 10% sur Tesla, c'est de la merde. Pourquoi véritablement, je m'en fous? Je m'en fous qu'on perde 10% sur Tesla et ça annonce sans rien un crack majeur. Bien sûr que non. Pourquoi d'après vous? Tiens, mettez-le dans le chat, pourquoi je m'en fous? Si vous trouvez la réponse, vous pouvez effectivement gagner une semaine d'abonnement à la Genius. Allez, mets-moi en plein, s'il te plaît, Mariana. J'en veux partout dans l'écran. Je veux des mecs qui me disent que ça va pas, qu'on va mourir, qu'on va tout casser et que ça va péter. Allez, mets-moi en plein, Mariana, courage! Allez, Mariana, telle Jeanne d'Arc sur son fidèle étrier, mets-nous toutes ces vignettes dans la Genius! Ça a marché ou pas? Ah, les amis, ou pas? Ma Mariana, elle a calé, alors ça veut dire. Elle a calé. Francky qui nous met, ça monte de 50% derrière. C'est pas derrière que ça monte de 50%. Allez, courage Mariana, mets-nous toutes ces photos de merde! Hein? Et mets-nous, mais non, mais pas deux, mais en toutes des photos de merde. Allez, regarde-moi ces, regarde. Crac à venir, le crack boursier arrive. Signal d'un crack majeur, le crack boursier en 2020, le big short pour 2020. Regarde-moi tous ces blaireaux de base. Regarde-moi tous ces tarés qui te disent, bien évidemment, de vendre et encore de vendre, bien évidemment. Allez, dégage-moi toutes ces merdes. Enlève-moi tout ce truc qui sent mauvais, bien évidemment. Ce sont des récupérations d'excès. Bravo à Wadi TV. Est-ce que c'est le premier? Tiens, Jean-Phi en avait parlé de la récupération d'excès. Jean-Phi, est-ce qu'il y a avant Jean-Phi? Charge à Charlotte d'aller nous trouver celui qui véritablement aura donné la solution. Quand une société comme Tesla monte de 200% en 4 mois et qu'elle perd 10%, il faut vraiment être un abruti, un âne batté pour faire croire à tout le monde que c'est le signe d'un crack. Non, tu crois pas? Moi, je crois, très sincèrement. Allez, on en parle. Tu vas bien voir, ça, c'est clair. Ils savent rien, mais ils disent tout. Certains font leur fonds de commerce là-dessus. Comment se fait-il que la nature humaine est attirée par celui qui prédit la mort? On a l'impression véritablement sur Internet que plus tu dis c'est la mort
et plus tu as envie de regarder la vidéo. Alors moi, s'il faut que je te mette « la mort arrive bientôt, tu vas crever dans 3 minutes, comment éviter la mort ?» on peut y aller, c'est pas un problème, mais c'est débile, absolument débile. Bref, en tout cas, eux, ils parlent, ils mettent pas une thune en bourse, bien évidemment, mais ils parlent, bien évidemment, et eux, ils te disent tout haut ce qu'ils pensent même pas tout bas, ça, c'est clair. Eux, ils n'en ont rien à foutre. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il est impossible de faire de la prédiction boursière à plus de 5 minutes des Open. Tu peux sentir le truc, tu vois ce que je veux dire. Mais tu ne peux pas dire ça va aller là, ça va aller là. C'est impossible, c'est impossible. Est-ce que vous avez remarqué d'ailleurs que rien ne fonctionne? Rien ne marche, rien ne fonctionne. L'analyse technique, les indicateurs techniques, les méthodes empiriques, on n'entend plus parler de chouchoukoula, on n'entend plus parler de RSI de stochastique, on n'entend plus parler de CFD. Ils sont passés où? On n'en entend plus parler, pourquoi? Mais parce que ça ne vaut rien en pratique. Et enfin, le plus grand nombre en a compris, bien évidemment. C'est évident. Alors, il arrive un peu tard pour parler du krach début janvier, il aurait été le bon moment, mais personne l'a vu. Parce que ce n'est pas un krach boursier dès début janvier. C'est une crise sanitaire. Donc, on ne peut pas juger d'une crise sanitaire. On ne peut pas. Tu sais comment ça s'appelle? Tiens, je vais faire gagner un deuxième abonnement d'une semaine à la Genius. Restez avec moi dans quelques secondes. On continue. Et ça vaut rien en pratique, toutes ces conneries-là, en définitive. Vous ne croyez pas? L'indicateur technique, c'est comme si tu jetais une pièce en l'air et puis pile ou face. Ça ne marche pas. Alors la question de ce soir, c'est comment expliquer que plus rien comme avant ne fonctionne et essayer de trouver ce qui fonctionne. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, clairement, plus rien marche. Ce qui marchait avant, il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, il y a quoi qui fonctionne? Bon, on va en parler, tiens. Qui continue à croire que tout est gratuit? Que le broker CFD qui t'encourage à acheter des actions te propose un courtage à zéro? Que ce même broker cache qu'il s'agit en tout cas en contrepartie de lui-même et que tu n'auras jamais ton action, mais plutôt un CFD, et que ce même broker, lui, te l'aura vendu quand il te la rachètera, quand ton stop aura été tapé. Ça, c'est l'ancien temps. Qui continue de croire un mec sur YouTube qui t'explique comment il est devenu millionnaire sans véritablement qu'il le soit? Qui continue de croire qu'il faille acheter sur Internet une formation Masterclass of the World of the Universe à un type qui n'a jamais passé une seule opération en réel sur les marchés? Ou s'il l'a fait une fois, il transpirait et il demandait à l'auditoire ce qu'il devait faire. Je vous jure, c'est du real. Hein. Ce n'est pas de la dramatisation, c'est du real. Ça, c'est clair. Il demandait quoi? Qu'il devait fermer sa bouche, j'imagine. En tout cas, c'est clair. On change, on évolue. On change, on évolue, mais on refuse de l'accepter. Alors Luc, on change comment? Et on change pourquoi? On se retrouve dans même pas 2 minutes et je t'explique tout. À tout de suite. Bonjour, je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro dollar. Voilà la stratégie. Avait prédit la crise sanitaire au mois de novembre. Je crois savoir qu'un grand analyste technique qui a travaillé à Londres dans des salles de marché, qui s'est exilé,
qui travaille maintenant à Barbès, qui s'appelle le professeur Niakate. L'avait vu aussi, je crois, dans un morceau de slip d'Emmanuel Macron, je crois. Faut arrêter les conneries, les loulous, vous le savez très bien, ça vaut que dalle. Alors Luc, on change, on évolue, mais on refuse de l'accepter. Alors certains achètent encore des PDF qui expliquent comment utiliser deux indicateurs techniques, un RSI, une stochastique, pour trouver une divergence haussière ou baissière. Ça vaut cacahuète. Alors, on change. Et certains plus sérieux s'expliquent. Alors, j'ai envie de vous demander, j'ai envie de vous faire gagner une deuxième semaine, tiens. J'ai envie de vous faire gagner une deuxième semaine de Genius Station, tiens. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la puissance de cet outil, de la puissance de feu de cet outil, ce truc incroyable, incroyable qu'est la Genius Station. La Genius Station, c'est pas Luc, hein. La Genius Station, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui travaillent depuis le mois de mai dessus comme des malades. Alors, je voudrais que vous puissiez me dire comment s'appelle la science de ceux qui étudient l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle. Ah bah ouais, attends, Là, on est dans du sérieux, là. Hein, on est dans du... Voilà, là, ça pèse, on n'est pas simplement dans du blablabla, tu vois, des balabala, ça vaut cacahuète. Oh bah, ça va super vite, là. Olivier, la cop... Alors, lui, il a écrit collapsolacie. Véritablement, c'est la collapsologie. Voilà, Novalis qui dit les copes. On va l'accorder à Olivier, il a été extrêmement rapide. C'est véritablement la collapsologie. Voilà, c'est l'étude de l'effondrement de notre civilisation thermo-industrielle. On s'arrête, tiens, deux petites secondes, En fait, ce qui va mal sur les marchés, c'est que la modernisation va pas assez vite. Tu te rappelles, dans les années 80, on te promettait la voiture volante dans les années 2000. Pff, ouais, t'as eu la cigarette électronique et le bebop. Ouais, et encore. On t'a promis, il y a 4-5 ans, les drones qui allaient livrer les pizzas devant chez toi. Pff, on les a toujours pas. La voiture autonome, full 100% autonome. Moi, j'ai effectivement un véhicule maintenant qui se conduit à 80% tout seul. La dernière fois que j'ai voulu essayer de me garer, si j'avais pas essayé de freiner très vite, la voiture aurait emplafonné un arbre. Donc, si tu veux, on n'évolue pas assez vite. Et le monde moderne, en fait, ce qu'on appelle la civilisation thermo-industrielle, il va falloir comprendre que c'est absolument terminé et fini. Alors, il y a ceux qui profitent de cette crise-là, hein, on le voit bien, Elon Musk et les autres. Je ne dis pas qu'ils sont méchants, je dis qu'ils font l'un des braquages les plus importants de ces dernières années. Elon Musk, c'est quand même l'un des plus grands conteurs d'histoire de ces dernières années. Si son titre est monté aussi vite, il faut comprendre que le mec sait parler. Hein, ce n'est pas un petit joueur. Son camion, il n'est pas prêt, il l'a vendu. Il est en train de donner des leçons à la société Nicolas qui fait, lui, des trucks et des camions. Et Nicolas, qui n'a jamais vendu un centime d'euro de voiture ni de camion électrique, est coté en bourse et est valorisé à des fortunes incommensurables. On appelle ça, en fait, avoir besoin de papier, en fait. Tu vois, on a besoin de papier. Donc, on a besoin de croire. On a besoin de croire, en fait, que l'histoire que nous raconte Elon Musk est vraie. On a besoin de croire que l'abruti qui va nous dire que parce que Tesla descend de 8%, tout va se casser la gueule. On a besoin de croire que les gens qui nous disent « on va tous mourir » sur YouTube ont raison. On a besoin de croire que le mec qui vit à côté de chez moi là-haut et qui te promet de devenir milliardaire alors que lui, il n'est même pas... centenaire, j'en sais rien comment on peut appeler ça, en tout cas j'aimerais bien voir son compte en banque, on a besoin de croire que ce mec-là va te faire gagner. Pourquoi pas? Sauf qu'encore une fois, je te le dis, tu peux casser les mythes, hein. L'analyse technique, les indicateurs graphiques, le prédicteur du samedi soir, tu le connais pas? Le mec qui chante la fièvre du samedi soir, je vais t'en parler. La collapsologie, c'est un terme un peu technique qui en tout cas étudie l'effondrement, encore une fois, de la civilisation thermo-industrielle. Bon, bah, je te le cite dans l'ordre, hein. Renault... Airbus, Boeing, tous ces gros mastodontes de fer, si jamais ils n'évoluent pas dans les 48 heures chrono mieux que la redoute, pff, ça va être un coup de vent. Hein. Tu as vu déjà les changements sur le CAC 40, hein. C'est hop, une petite gauche, hop, une petite droite, hop, une petite... Ah, ça va vite. Hein. Ah bah, il faut être sérieux. Ah, on peut parvenir avec les mêmes outils. Je te rappelle quand même que c'est quand même toi qui as été chercher une Dacia il y a quelques mois, alors que c'est une bagnole qui se base sur... une Renault des années 83. Comment tu savais pas? Ta Dacia, c'est pas une Renault des années 2000.
Ta Dacia, c'est une Renault des années 83. Et tu t'étonnes que l'entreprise s'effondre. Ah bah moi, je suis pas, voilà, je suis pas prédicateur. Hein. On va pas tous mourir, ou si un jour. Mais en tout cas, Renault, s'il se réveille pas, tu sais qui c'est qui va leur passer devant? C'est Hyundai. Allez, à vous. Ça, tiens, allez, la minute de franchise. On s'est tous moqué des Hyundai, on est bien d'accord. On a tous vu la tronche de ces bagnoles qui sont véritablement pas belles, en étant sympas. Mais Hyundai, ils sont en train de te prendre le marché européen de l'automobile bien comme il faut. Ils veulent être number one, pas number two, number one. Ils veulent déchirer absolument tout en Europe. Et ils vont arriver comme des fous. T'as vu aussi l'histoire avec Yuval? Alors, je sais que vous allez vous marrer parce que moi, l'accent japonais, coréen, chinois, Yuval. En fait, les Américains ont dégagé Yuval et Samsung est arrivé. Si tu traites un peu le marché coréen, tu vas te marrer. Samsung, on peut l'arbitrer, il est coté sur deux places. Hein, tu vas te marrer. Tu vas voir Samsung, hein, il va exploser. Samsung va exploser. Ça, c'est certain. Alors, les plus pessimistes de nos amis, les collapsologues, prévoient, eux, la fin du monde pour l'année prochaine, au mieux 2030. Voilà, il faut être honnête, maintenant, c'est réglé. Voilà, c'est comme ça. Tiens, grenouille, croc, croc. Voilà, grenouille. Grenouille qui revient nous voir. Comment vas-tu, grenouille? Absolument. Pourquoi elle ne recommanderait pas d'acheter la Genu Station sur les marchés américains bientôt? Bah tiens, pourquoi pas? On pourra en parler. Hein, on va en parler, tiens, après. Pas tout de suite, mais on en parlera. L'effondrement. Alors, parce qu'ils utilisent des termes à la One Again Effort. Moi, j'ai envie quand même de quelque part qu'on se mette d'accord. Qu'est-ce que c'est que l'effondrement? Parce que tout le monde dit tout et n'importe quoi. La panique, ça y est, c'est ancré. Parce qu'on entendait panique boursière. C'est pas la panique boursière. La panique boursière, c'est tout s'effondre. C'est pas des indices qui tombent. C'est tout s'effondre. Ça y est, il s'appère une différence entre une panique boursière et une crise financière. Ça, ils savent le faire. Alors, l'effondrement. L'effondrement, c'est la convergence de toutes les crises. Hein, il ne faut pas dire n'importe quoi non plus. Quand on dit c'est l'effondrement total, je vous rappelle que parmi les vignettes que vous avez vues tout à l'heure, il y a une espèce de charlot qui vous a promis la plus grande récession de l'univers et au-delà. Et pour autant, une semaine après, il vous disait « je me suis trompé, vous pouvez acheter, allez-y sans aucun problème ». Vous accordez combien de crédibilité en quasi-certitude à un Gus pareil, vous? Ah bah, il y en a quand même un paquet qui le croit. Ah bah, s'ils existent, on ne sait pas. En tout cas, l'effondrement, écoutez bien, parce que ça, c'est important, et ça va être le signal fort de ce qui risque de nous arriver si jamais on ne sait pas changer. L'effondrement, c'est la convergence de toutes les crises. La climatique, l'écologique, la biogéophysique, et l'économique. Je résume. Climatique, écologique, on l'a. Ah bah, on a même une gamine de 14 ans qui vient à l'ONU et qui vient nous dire que, salaud, vous avez vu combien il y a d'adolescents qui viennent de déposer plainte contre des dirigeants de pays? Il va où ce monde? C'est débile le machin. C'était obligé que les constructeurs automobiles et les constructeurs d'avions se cassent la gueule. Ah bah évidemment, ils ne vont quand même pas payer des milliards d'amendes. Un peu comme l'industrie du tabac a dû payer des milliards d'amendes parce qu'on s'est aperçu un peu trop tard que fumer ne résoudait pas les problèmes de santé, mais bien au contraire, les amplifier. Alors, clairement, la convergence de toutes les crises, la climatique, l'écologique, on l'a. La biogéophysique, alors la biogéophysique, c'est un peu particulier, hein, la biogéophysique, c'est, on en parle un petit peu, tu vois, quand on entend un petit peu parler, la procréation artificielle, tous ces trucs-là, l'ADN, la modification transgénique, on en entend parler, ça arrive, ça arrive. Et enfin, économique, on était dedans il n'y a pas très longtemps, et en tout cas, on risque d'y retourner dans pas très longtemps. Alors, tout ça réuni, tu te le gardes, tu te le mets sous l'oreiller, et si un jour tu allumes la Genu Station et la TV Formonnet et que tu tombes sur Hello Trader, Good Morning Mr. Do, et que tu entends, un, il fait trop chaud, on est au mois de décembre, il fait 40 degrés. 2, il n'y a plus d'arbres en Amazonie, on est en train de planter des sapins. 3, on est véritablement maintenant avec des hommes qui peuvent tomber enceintes. 4, il n'y a plus de valeur pour l'euro ni le dollar, on est venu à zéro, le graphique est à zéro. Si tu entends parler de ça, bah ça veut peut-être dire que justement, c'est l'effondrement de tout et on tombe. Voilà, comme ça au moins, c'est absolument réglé. C'est pas notre faute, on entend des abrutis de Tisla, moins 10%, l'abruti, c'est qui? J'ai pas compris, Steph, faudra que tu m'expliques en tout cas, c'est qui? C'est pas de ta faute si Tesla tombe de 10%. Tu vas voir, reste avec nous, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas de ta faute. En fait, c'est un enchaînement de catastrophes qu'on ne peut plus arrêter et qui a des conséquences irréversibles sur la société. C'est ce qu'indique en tout cas Pablo Servigné,
C'est un gars, voilà, un ponte quand même. On ne peut pas savoir ce qu'il déclenchera, on ne peut pas. Donc tous les mecs, les mythos qui te disent que le Covid-19, il l'avait vu dans du marc de café, ça vaut cacahuète. En tout cas, on ne peut pas savoir ce qu'il déclenchera. On ne peut pas analyser ça, ce n'est pas possible. Un krach boursier, une catastrophe naturelle, l'effondrement de la biodiversité. Ce qu'on peut affirmer, c'est que toutes ces crises sont interconnectées. C'est un peu Murphy, si tu fais un peu de théorie, c'est un peu Murphy. Et qu'elles peuvent, comme un effet de domino, se déclencher les unes après les autres. Ça ne te rappelle rien, l'effet de domino? Petit clin d'œil à ceux qui savent ce que je dis, à travers ce qu'on appelle le trading de haute fréquence et l'enclenchement des dominos. C'est le déclenchement des dominos. Ça, c'est juste bien. Alors, bref, on sait que ça va arriver. On sait qu'on va se péter la gueule. On le sait. C'est un peu comme si demain, il fait beau, puis tu me dis, il va pleuvoir. T'apportes quoi au débat? Bon, rien. Mais bon, t'as placé ta connerie. T'as eu un troupeau de chefs qui est venu te voir, qui te dit, oh, bravo, hein, riche nous. C'est où qu'on paye? Ah bah oui, bah tu peux y aller. Hein. Et puis après, tu diras, la question, elle est vite répondue, tu connais le ciné, bref. En tout cas, c'est réglé. Mais on sait que ça va arriver. Le problème, c'est qu'on ne sait pas à quelle date ça va arriver. Et ça, c'est de la loterie. Alors, je fais partie des gens qui ont assisté à la chute des marchés de 99, 2001, 2008, etc. Et depuis 2008, bien évidemment, on parle de crise insurmontable. Le truc le plus gerbant de la Terre. Alors, 2008, ça a été... insurmontable, mais les marchés n'ont jamais été aussi haut depuis 2008, je te rappelle. Hein. Ils n'ont jamais aussi explosé. Moi, je m'assois toujours sur mon 30 000 sur le Dow Jones. Tu m'as entendu le dire. On est monté à 29 500 points. On y va, tranquillement. En tout cas, c'est réglé. Il arrive, nos valises de Grand Reset. Je t'ai fait une émission dessus, regarde sur la chaîne, tu vas le trouver. Alors, si t'as compris dans cette émission que tout ce que tu faisais ne marchait pas et que pour comprendre ce qui ne marche pas, il va falloir effectivement analyser la situation. On est d'accord que pour comprendre les marchés aujourd'hui, il faut que vous soyez déjà certain qu'aucune prédiction fonctionne. Ceux qui pratiquent les marchés en réel savent une chose, c'est que les marchés n'oublient jamais. Le marché a de la mémoire. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ils s'en tapent. Ils n'en ont rien à foutre. Regarde, remémore-toi. Attends, 2001, le 11 septembre, les marchés américains qui ferment, 30% de baisse sur le Dow Jones. On s'en tape, rien à foutre, ça repart. Et c'est normal, parce que les marchés sont vitaux. Il n'y a aucune prédiction qui fonctionne. Alors, les marchés ils vont trop vite, les marchés sont trop volatiles, ils sont absolument géniaux. Ben oui. Tu me crois pas? Tiens, attends, on va aller chercher. Regarde, je te montre un truc, regarde. Je t'en montre un, parce qu'on va peut-être pas passer non plus la soirée dessus, parce que, en définitive, tu es venu pour avoir certaines explications. On va en parler, en tout cas. Tu vas voir ce qu'on va voir tout ça. Novalis, que penses-tu du comportement de SoftBank? C'est des profiteurs, des opportunistes, et je pense qu'ils ont été bien intelligents pour pénétrer les États-Unis, tranquillou, quand même, rentrer dans l'économie américaine et puis sucer la moelle de l'intelligence. Alors regarde, 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 je te prends un truc tout bête. Tiens, on peut voir mon écran. Je vais aller chercher. Tiens, regarde, regarde comment ils parlent les mecs qui sont dans la Genius. On a où tiens, on l'a où lui? Tiens, regarde, qu'est-ce qu'on a? Oh, Jacques. 1195 euros, Jacques. Jacques, 1195 dollars, pardon, autant pour moi. Une séance, hein, une séance. Alors, on a des 200 balles, on a des 600 balles, 20 points, 827 balles. Bref, tout va bien. Hein. C'est ça, gagner de l'argent au quotidien. Quand tu as une journée comme celle-ci et que tu as fait de la prédication boursière en expliquant que les marchés vont, je sais pas moi, se casser la gueule de 500 points, alors qu'en fait, on parle pas de se casser la gueule. On parle de drawdown en hyper court terme, absolument. On va en parler. Certains ont fait des rapprochements abstraits avec les crises passées. Tu sais, quand on parle des crises, on parle de 29, on parle de 2008, on parle de 2000, on parle de 2001, on parle pour rien dire, parce qu'en définitive, ce qui s'est passé avant, il n'y a aucune proportion gardée. Bah non, bah absolument pas. À quelle heure t'as vu une société cotée sur le Nasdaq faire 200% en un mois?
c'est une valeur qui est une penny stock qui fait 200%. C'est pas Tesla. Tesla, mais attends, Amazon, Apple. Alors, les plus malins, c'est quand même ceux qui ont splitté. On est bien d'accord, Tesla, Apple. Parce que Tesla, Apple, ils ont compris forcément qu'il fallait splitter. C'est juste comme ça. Et l'autre, il nous fait une vidéo, c'est la crise, Tesla a perdu 8%. Et qu'est-ce que tu fais des 200% qui étaient avant? Alors, on s'assoit dessus, on chie dessus et terminé. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais ils viennent d'où ces gens? Alors, quand la crise du coronavirus est arrivée, tout le monde a crié au scandale et à la panique boursière. C'est vrai. Mais c'est une crise qui était sanitaire, je l'ai déjà expliqué. Alors, la logique, elle est où? En fait, la logique, elle est tout ce qui nous arrive est forcément moins grave que ce qui va arriver. Seb qui nous dit le WTI qui chute de 43,50 à 36. C'est vrai. Mais attends, Seb, il faut le corréler aux indices. Le pétrole, il ne va pas tomber à zéro, le pétrole. On en a besoin du pétrole. C'est une connerie de croire que le pétrole va tomber à zéro et qu'il va y rester. Il peut tomber à zéro. Regarde les rollovers. Regarde les roulements de contrats, regarde effectivement la politique des pays de l'OPEP, ceux qui sont OPEP, non OPEP. Le pétrole ne peut pas tomber, voyons, absolument pas. Stéphlon, casse-toi. Ouais, je vais pas dire pauvre con, mais casse-toi. C'est des gens comme toi, effectivement, qui n'ont rien compris. Moi, je suis un prêcheur. Alléluia! Tu me vois faire alléluia, sincèrement. Mais toi, t'es teubé, toi. Alors, la logique, elle est où? En fait, les marchés... Ce qui s'est passé sera toujours moins grave que ce qui va arriver. Ça, c'est une règle de base. Mais vraiment de base. Ce qui s'est passé, oh là là, c'était mal. Ah, mais alors attends, tu sais pas ce qui nous arrive. Si tu as pris une vague avec un gros tube, il y a un tsunami qui arrive derrière. Ah ben, c'est évident. C'est véritablement évident. Mais on est obligé de faire ça. Parce que plus les marchés ont besoin de volatilité et plus nous sommes nombreux et plus il y a à gagner sur les marchés. Les débutants écoutent les prédicateurs sur YouTube qui demandent de tout vendre, les initiés achètent aux débutants qui vendent tout, les marchés récupèrent leur excès pour monter plus haut. À quelle heure tu m'as entendu dire « vendez tout » À quelle heure? Au plus bas de la crise, j'ai fait des émissions partout, même en Afrique, et j'ai expliqué à tout le monde qu'il fallait acheter. Qui a dit la même chose? Qui a dit la même chose? Personne. C'est la base de tout. Si vous ne faites pas une pause dans la poussée acheteuse, comment tu veux monter? Si tu ne fais pas une marche dans la poussée acheteuse, comment tu veux monter? Si tu ne splits pas ta position, ton action, comment tu veux monter? Alors, c'est la façon la plus noble de splitter. C'est dire mon action a dépassé l'entendement, c'est ce qu'a fait Tesla. Ça lui a permis d'ailleurs à celui qui est vénéré, de liquider ses positions juste avant le split. Tant qu'à faire, bah oui. Bah évidemment, on liquide ses positions avant le split de Tesla, c'est évident. Après, on fait la pub de Tesla. On y va. En tout cas, il a splitté. Comme ça, au moins, c'est mieux. Parce que sinon, jamais personne n'aurait pu acheter son treat. Absolument jamais personne. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. C'est intelligent de dire qu'effectivement, acheter ou vendre, ça se décide au début de la séance. C'est vrai. Et même en cours de séance, nous, il nous arrive de changer de position en cours de séance, c'est évident, évidemment. Alors, il y a une chose quand même qui est super importante. Les gens vous disent d'acheter et de vendre. Alors déjà, il faut savoir que c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un « achète ou vends ». Tu as le droit par contre de dire « moi, j'achète ou je vends ». Là, c'est différent, première chose. Seconde chose, la vente à découvert est réservée aux initiés. Je répète, la vente à découvert, vente dans un marché effectivement, est réservée à des gens qui savent. Acheter, c'est réservé à tout le monde. Même ton grand-père de 86 ans, il peut acheter. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? À moins que tu achètes une bouse. Et une bouse, ouais. Là, en ce moment, on est en train de se regarder Wirecard. Tu vois, je te jette un petit peu des petits trucs que je regarde actuellement. Je regarde Wirecard, Veolia. Tu vois, c'est des valeurs qui m'intéressent, tout ça. Mais pourquoi tu veux les vendre? Pourquoi tu veux vendre ces valeurs-là? Pourquoi tu veux les vendre? On ne va pas les vendre, absolument pas. En tout cas... splitter son titre, c'était nécessaire. Il n'y a que Amazon qui tient, il tient un peu comme un espèce de morpion qui tient à plus de 3 000 $. Ça devient débile. En tout cas, les marchés encaissent. Les émetteurs encaissent. Les investisseurs avertis encaissent. Vous avez intérêt, vous, à encaisser. Parce que si vous décaissez,
ça veut dire que ça ne va pas pour vous et peut-être que vous êtes dans le bad trip. C'est la théorie du pire en pire. C'est la théorie du pire en pire. C'est la théorie du plus en plus dur, du plus en plus grave, du plus en plus lourd. Tiens, on se met un petit spot de pub sur la Genius. C'est parti. Bonjour, je suis Genius. La décision boursière. C'est Genius. J'achète l'euro dollar. Voilà la stratégie. Alors, KOSMC m'appelle gros. Alors, sache qu'aux États-Unis, c'est pas gros, c'est bro, hein, déjà. Ça, c'est bro de brother. Mais c'est pas grave, ça, tu le sais pas, je te l'apprends. Grenouille, elle nous dit, moi, je vends à découvert, je suis pas initié. Bah oui, il faut des gens qui perdent. Grenouille, fais attention, je te connais, tu me connais. Grenouille, fais attention. C'est pas parce que tu shortes que tu gagnes, on est bien d'accord. Faut faire attention. Je répète que la vente à découvert est réservée aux gens qui savent, alors que l'achat en bourse est réservé à tout le monde. Voilà, j'insiste, persiste, et j'ai le droit de donner mon opinion. Comme vous, vous pouvez vous la donner. Tout simplement. Alors, merci à Marc-Étienne Guillanton qui nous met une information sur les splits d'Apple. C'est absolument très bien. Absolument. Alors, on continue et on va parler d'abord dans un premier temps de la solution. Alors, ce que je veux dire déjà, c'est que ce qu'on voit les gros signaux, d'accord, le lundi pour le dimanche, ça vaut zéro. Alors, déjà, on va parler de ce qu'on peut se poser en termes de questions. Les marchés chutent de 4%. C'est la crise. Et la panique boursière, non, c'est normal. Ils remonteront ensuite dans 90% des cas et même plus. Absolument. Dans les années 80, un CAC 40 qui tombait de 1,5% dans la séance, c'était la fin de tout. On chialait, on pleurait, on invoquait les esprits. Enfin bref, 1,5% de baisse dans la journée, on se roulait par terre, hein, ça c'est clair. Aujourd'hui, on fait des drawdowns de 300 points. Hein. Aujourd'hui, c'est up, down, 300 points sur le Nasdaq. Si tu n'en sors pas le tiers, si tu ne sors pas 100 points sur le Nasdaq, c'est que tu n'es pas dans la Genius. Au moins, c'est réglé. En tout cas, 300 points de drawdown, I love it. I like it. It's amazing. Okay? C'est vraiment un truc de ouf, bro. Gros. Je ne suis pas gros, je suis enveloppé. Évidemment. Alors, pour en parler... Il y a ceux qui envoient des signaux le lundi pour le dimanche et qui font des analyses le week-end, c'est chaud. En gros, tu gagnes 2005 et tu perds 5000. Ce que je veux dire, c'est que l'analyse à court terme, à moyen terme, long terme, c'est mort. Qui est capable de dire ce qui va se passer dans un mois? Même les mecs les plus érudits ne savent pas. Attends, il y a des journées entières où les médias américains interrogent Warren Buffett sur la couleur du papier toilette de la Maison Blanche. Il répond à tout, Warren Buffett, t'as remarqué? C'est un mec qui répond à tout, à tout. La couleur du cheval blanc d'Henri IV, la couleur des cheveux orange de la gonzesse à côté. Il répond à tout. Il a quand même vendu les compagnies aériennes alors qu'elles ont repris 40%. Tu vois ce que je veux dire? Après, il fait ce qu'il veut. Moi, quand je disais il est un peu vieilli, il est de l'ancienne économie, tout le monde me criait dessus. Je ne pense pas m'être trompé. En tout cas, il achète de l'or. Alors évidemment, on fait des vidéos. Warren Buffett achète de l'or. I repeat. Warren Buffett achète de l'or. Et moi, je réponds, c'est pour te la mettre profond, mon enfant. Ben évidemment, s'il achète que c'est un suivi, il veut que tu achètes à sa place et quand tout le monde voudra acheter, il te vendra. En gros, c'est ça, évidemment. Alors, pour continuer, ce que je veux dire, c'est que les indicateurs techniques, c'est mort. Et tous ceux qui te vendent de la formation, il y a encore un espèce d'abruti sur Internet qui propose de la formation sur les indicateurs techniques. Je ne sais pas où ils vont chercher ça. Le mec qui vend des voitures avec des remontes-vite à la main, tu sais, sans assistance, direction assistée. Et toi, t'achètes, toi, tu manges, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde s'y met à l'analyse hyper court terme. Tout le monde se met à l'analyse hyper court terme. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, évidemment que ce n'est pas simple, je te jure. C'est même le plus compliqué véritablement, qu'avant. Ah bah c'est compliqué. Ah bah l'hyper court terme, en fait, tu es en train de faire du basket avec une main dans le dos et l'autre sur un œil, et puis tu essayes de faire un dunk avec ton front. Tu vois ce que je veux dire? C'est super compliqué l'hyper court terme.
Ah bah, à l'époque, il y avait des mecs qui se la racontaient, ils appelaient ça scalping. Alors, on avait l'impression d'être dans un vieux western tourné en Espagne. En fait, l'hyper court terme, d'accord ? Hyper court terme, t'as pas le choix. T'es à 5 minutes de l'open, alors quand tout va bien, on voit tout de suite tout, et quand tout va mal, bah, on a la position dans les deux sens et on attrape dans les deux sens. Elvis pourra en parler parce que lui, en fait, il a une horloge un peu comme Run DMC à l'époque, une horloge autour du cou, et c'est lui qui donne l'heure de l'open. Il te dit 5 minutes au quatrième top, il restera 3 minutes, et ainsi de suite. Et en tout cas, on peut exploser le truc, ça c'est clair. Alors, c'est pas si simple. Les marchés montent vite et on n'a pas le temps de niaiser, comme disent les amis belges, ou canadiens même, je crois. Pas le temps de niaiser et ça va super vite. Alors, c'est là qu'intervient la Genius. C'est là où elle intervient en fait. Elle scanne tous les marchés en temps réel. Elle scanne tout, ça c'est clair. Elle détecte les grosses opportunités. Elle trouve les stratégies. Elle offre l'analyse en plus de votre comportement d'investisseur pour essayer de vous donner simplement les signaux et les stratégies qui vous font gagner. Exemple, ça fait 4 fois que tu perds sur le Russell. Elle l'a détecté. Elle sait que le Russell, ce n'est pas fait pour toi. Elle sait que tu es Sagittaire et le Russell, il est Scorpion. Ça ne peut pas aller, même si tu es ascendant Sagittaire, tu vois ce que je veux dire. Alors, la Genius, elle l'a analysé. Elle le sait. Tiens, si vous n'avez jamais vu à quoi ça ressemble une analyse de la Genius, je vais vous montrer. Tiens, vous voulez la voir? Tiens, je fais un clin d'œil à tous ceux qui m'ont appelé après la soirée, tu sais, de présentation de la Genius. Ils m'appellent, mais pas pour me dire qu'elle est bien. Ils m'appellent pour me dire que la Genius, en définitive, il leur a fait gagner sans même être abonné parce qu'ils avaient vu que la Genius donnait l'euro-dollar vendeur et que, véritablement, c'est bien descendu. Donc, c'est marrant, hein. Ces gens-là, en définitive, ont profité des signaux et forcément, ils savent que la Genius donne absolument tout ça. Alors, on peut regarder, par exemple, les stocks. Alors, je vais essayer de vous trouver une valeur qui serait proche, effectivement, de son start pour que vous puissiez la lire très, très, très rapidement. Qu'est-ce qu'on peut vous trouver Veolia, pas sûr. Non, on est loin du start, Veolia. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, tiens, sur les commodities? On a peut-être le Natgas, tiens, on va regarder. Ouais, on est loin du start. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Parce que là, la plupart des alertes ont été fermées, c'est le soir. Alors, évidemment, elles sont la plupart du temps closes. Je vais vous montrer, tiens, le GBP/USD. Je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, je vais me mettre full size. Tu vois, tu as effectivement ici le stop, le start et la target qui est bien en dessous. Elle est à 1,2550 la target. On est à, tiens, regarde, en live. Je ne peux pas être plus, hey, franchement, je ne peux pas faire mieux. GBP/USD. Alors déjà, tu veux voir le GBP, tu dis à la Genius, GBP/USD, pour favor. Il te dit, tiens, regarde, tu as une alerte en cours. Tu cliques dessus. L'alerte en cours, ce n'est pas compliqué. Le start est à 1,30. Le GBP, il est à 1,35. Dans 15 pips, tu vas rentrer avec la Genius dans l'alerte. Et elle va te suivre, la Genius. Et elle va effectivement te suivre. Alors, ça marche sur tout, absolument sur tout. Voilà. Et il y a tout marqué. Et c'est en temps réel. Hein. L'abonnement de la Genius comprend ton abonnement temps réel. Surtout, hein, les indices, les commodities, le forex, les currencies, les futurs. Tu as tout dans la Genius. Tu peux même choisir si tu veux en bar chart, si tu veux en chandelier, tu peux tracer, ça tu connais, hein, les gens qui tracent effectivement des toiles d'araignée, tu peux tout faire, voilà. Moi, j'ai voulu un truc facile et simple, facile à comprendre et simple à comprendre. Mariana, elle n'aime pas quand je montre la Genius, elle l'enlève, elle ne veut pas que je la monte. En tout cas, c'est fait. Voilà, c'est dit. Alors, on en était où, tiens? On en était à la fin quasiment de l'émission parce que je termine. En gros, elle détecte les plus grosses opportunités, la Genius. Elle trouve les stratégies. Elle offre l'analyse du comportement de votre comportement d'investisseur. Vous ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les conseillers en investissement, ce qu'on appelait les CGP, je sais qu'il y en a qui regardent aujourd'hui. Ils sont en train de disparaître. Ah bah la législation, elle ne fait pas du bien. Oh toi, CGP, tu le sais. Les banques de retail, elles ferment petit à petit. Elles ferment les unes après les autres. Les placements servent ceux qui les vendent et ceux qui émettent bien évidemment leurs placements. Vous le savez. Alors oui, la bourse n'a jamais autant rapporté. Comment on peut faire 100%? Comment Morgane, abonné de la Genius, fait 100% en deux jours? Contrôle-moi, ô toi qui doute. Contrôle-moi, ô toi qui hésite. Contrôle-moi pour voir effectivement ce que fait la Genius. Elle est irrattrapable, la Genius. Elle a été tellement vite, 4 mois de développement, et on avance comme des dingues. Vous allez regarder tout ça et je vous garantis que ça va exploser. Ilias, je ne fais pas de conseils dans... le Let Money Show, je ne peux pas faire un conseil sur les valeurs bancaires. J'ai envie de te dire, les valeurs bancaires, elles suivront le rythme.
Les valeurs bancaires, c'était les poids lourds des marchés. Elles le restent pour les marchés européens. Elles ne le sont plus pour les marchés américains. Ah ben non, Bank of America, tout ça, tu sais. Non. En plus, les banques européennes, elles sont vachement étendues. C'est-à-dire que tu peux avoir une BNP à Crédit Agricole, une SocGen, qui ne vont pas bien le lundi. Le mardi, la BNP remonte tout. Les autres se cassent la gueule. Et puis, tu as surtout les banques allemandes. Ah, attention, l'Allemagne. L'Allemagne, premier pays européen où on est safe par rapport au Covid-19. On est safe en Allemagne, absolument. Au moins, c'est réglé. Édouard, il pose une super question. Pourquoi, Luc, tu mets des stops dans la Genius alors que tu as dit qu'il ne fallait pas en mettre quand on trade? Et c'est une super question. C'est facile. En fait, Édouard, le stop loss, il a une fonction mathématique. C'est simplement pouvoir donner la viabilité de l'opération dans un calcul simple de money management. Oula, Luc, oula! Tranquille, il n'y a pas d'énervement. Ce que je veux dire, c'est que le stop, il est là pour dire quel va être le risque au maximum. Mais une fois qu'on est en position, il n'y a pas meilleure méthode que celle de savoir cracher un ordre sur un break-even plus 2 pour le personnel, pour le plaisir. Moi, je t'apprends à cracher un ordre. Jamais je te laisserai mettre un stop. J'en ai un, tiens, pour être honnête, qui a voulu essayer la Genius. Je vais t'en parler, je ne le critique pas. Respect, bien sûr. Je l'ai eu au téléphone, il me dit qu'il n'est pas content. Je lui dis pourquoi, parce que quand on me dit on n'est pas content, c'est moi hein, qui ai le téléphone, je veux comprendre. Le type me dit, j'ai écouté la Genius, j'ai mis mes ordres en OC, en ordre conditionnel chez mon broker, et je me suis barré. Alors il s'est barré, et il a fait ça sur le DAX. Et la Genius lui a donné, écoute bien, hein, t'es assis, la Genius lui a donné 65 points nets au lieu de 80. C'est-à-dire qu'elle est montée à plus 65, elle devait aller à 80. Pas bien, Genius. Pas bien. 65 points pour que tu te rendes compte, c'est un billet de 500 balles avec un capital de 1500 balles. Que tu le saches quand même. Hein. Le mec m'engueule et il me dit oh, 80. Comment 80? Il n'en a pas touché. J'étais parti. Quand je suis rentré, j'ai effectivement perdu ce que j'avais donné. Mais j'y suis pour rien, moi. J'y suis pour rien si tu n'es pas capable de sortir de ta position à 80% de la target quand véritablement tu sais que le marché est en train de se retourner. Si tu écoutes la TV Formonnaie, on te dit tout, je te dis tout, Léo te dit tout, Stéphane te dit tout, bref, on te dit tout. Voilà, au moins, c'est réglé. Alors, pour finir, la bourse n'a jamais rapporté autant, jamais. Hein. Là, on explose les scores parce qu'il y a une volatilité absolument géniale. Il n'y a pas de méthode unique. Il n'y a pas de condition unique. Il y a des centaines de conditions avec des pondérations à prendre en compte. Et ça, aucun humain, et surtout pas moi, sommes capables de le faire en temps réel. Même Maurice, alors lui, il tourne en permanence en boucle sur les réseaux sociaux, y compris LinkedIn, qui envoie ses analyses sur les réseaux sociaux le week-end en précisant qu'il se prépare la semaine de trading et que c'est fondamental, qu'il est sponsorisé par un broker CFD, bien sûr, et toi, pendant ce temps-là, tu sirotes un mojito et... Il t'offre ses signaux. Mais t'es fou, mais t'es devenu dingue. Mais personne ne croit à ta connerie, bien évidemment. Faites attention. Comme l'autre qui se dit Hedger. Il écrit sûrement Hedger sans H. C'est un œuf. Ah bah oui, évidemment. Il n'a jamais été Hedger de sa vie, le mec. Il a appris ce que c'était le Russell avec nous en regardant la TV Formonnaie. Faut arrêter les conneries, bien évidemment. C'est cacahuète, c'est zéro. C'est intéressant ce que vous dites véritablement. Je ne vois pas l'intérêt pour celui qui veut emprunter de l'argent, c'est énorme comme taux d'intérêt. Non, non, absolument pas. Les taux d'intérêt ne sont pas énormes. On a un outil dans la Genius pour les professionnels en mode business. Ils utilisent le FDR, hein, le fiduciary rate en tout cas, le fiduciary rate. C'est simplement un échange de trésorerie à taux d'intérêt intéressant entre les instituts bancaires. Ça fait partie du deal. On ne traite plus avec de l'argent. D'ailleurs, pour s'enrichir, il ne faut pas traiter avec de l'argent, tu le sais très bien. Celui qui s'enrichit, c'est celui qui ne dépense pas. Ça, évidemment, tu l'as compris. Comment on active le mode business dans l'App Genius? C'est facile. 09 80 08 20 11, 09 80 08 20 11. Il est toujours comme ça. Oh, il restera comme ça jusqu'au moment où il mourra. Hein, je pense que là, je pense qu'on parle de moi. Moi, il n'y a pas de souci. Vous avez remarqué cette semaine quand même aussi, parce que moi, je traîne de temps en temps sur les réseaux sociaux aussi et je me marre. Les Jones diraient, on vient de faire un gros fuck à l'ESMA. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ESMA, l'ESMA, c'est l'AMF version européenne. Ça y est, hein,
les brokers, ils sont en mode, j'en ai plus rien à foutre, hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Je t'envoie sur les réseaux sociaux, achète le FRA 40. Je t'envoie sur les réseaux sociaux, achète du Tesla avec mon CFD of the World of the Universe. Hein, je mets en vert, je te mets Charles Branson, je te mets ce que tu veux, et je te dis achète. Ils ont, je m'en bats les couilles, hein. Les SMA, ils m'en bats les couilles. Là, ils m'en bats les couilles. Je te fais de la pub partout, Ginette. Hein. Je te la mets partout, la pub. Et je te dis achète. Mais t'as pas le droit, broker, de faire ça. T'as pas le droit. C'est interdit d'inciter les gens à acheter, à vendre quand t'es broker. Interdit. Et pire, si t'es broker, c'est. Quand c'est que vous allez véritablement les bannir, ces brokers-là? Quand c'est que vous allez, une fois pour toutes, fermer vos comptes? Quand c'est que vous allez dire à ces gens-là, dehors? Moi, je sais pas, vous aimez perdre, alors bon, bah, perdez, qu'est-ce que je vous dise? En tout cas, fuck les SMA. C'est pas moi, hein? Moi, je respecte. Hein? Tous les brokers envoient sur Facebook leurs signaux, leurs alertes de trading, vous incitent à acheter du FRA 40. Oula! Ça aura tenu 4 ans, cette histoire de restriction de l'ESMA. Maintenant, on s'en tape. On s'en fout. Alors, pour finir... oui, Tesla perd 8%, mais après avoir gagné 150% ou 200%. Alors, ça, les pauvres prédicateurs du web l'ont pas compris. Ils s'inventent une vie. Hein. Ils ont des millions d'abonnés, plus que le compte de Trump. D'ailleurs, tous les comptes de Trump réunis ne pourraient jamais égaler ces mecs-là. Un investisseur, un trader travaille en relativité. Ah bah, vous savez pas. En l'occurrence, on travaille toujours en théorie de relativité. C'est pour ça qu'on parle de moyenne, de prix moyen, de quasi-certitude et de probabilité. Ça évite de raconter des conneries, mais eux, ils s'en moquent. Parce que la connerie, en définitive, ça ne leur fait pas perdre un seul euro. À toi, tu perds, mais eux, ils ne perdent pas. Plus ils en disent, et plus les moutons bêlent. Bêh ! Hein, ça bêle, hein, un mouton ? Ou je dis une connerie ? Je crois que ça bêle. En tout cas, plus les moutons leur en donnent. À tous, je vous souhaite une excellente soirée. J'ai passé un bon moment. Voilà, pour se marrer un coup. J'espère que vous avez rigolé. Léo, il en pleure. Léo, il a les yeux qui pleurent. Mais pourquoi ? Parce qu'il est avec moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit, Steph ? D'accord avec toi, Marc de CFEC Trader. Bah oui. Alors, Trader, t'enlèves le i quand même, ça fait sérieux. Bonne soirée à tous et à tous. Bah oui, bonne soirée. J'ai du mal à vous quitter. Je vous aime bien et on se marre. Soyez nombreux. Ah oui, je voulais mettre entre parenthèses. Quand on sort une vidéo et qu'on l'annonce sur YouTube, si vous ne la voyez pas, c'est parce qu'on a 4, 5 espèces d'abrutis qui commencent par disliker avant même que vous, vous ayez attendu pour liker. Plus vous likerez ces vidéos, et plus nous, on nous verra. Et plus on préviendra effectivement tout le monde des conneries qu'eux te donnent. Alors, si tu crois qu'il faut regarder un mec qui imagine avoir 40 000 vues une heure après avoir fait sa vidéo de merde où il t'explique qu'il faut tout vendre alors que tu es au plus bas, réfléchis. T'es peut-être pas sur la bonne chaîne. Take care, tchuss, enjoy. N'oubliez pas, je vous aime. Ciao, bye bye. À demain, 8h30 dans la Genius. Ciao.